Au moins, ça, c'est du parfait. Ça a l'air bon là. Avant le préchauffage. Vingt-quatre trois, c'est normal parce qu'il n'y a pas. Le témoin, les spirales qui sont parcourues. Après les spirales, donc on est à 25. On est à 23,7. Une chute de tension de 0,4. Le choc, sachant qu'il y a un peu plus d'ampérage qui passe dans les bougies là. 24, 23,4. De tension de 0,7-0,8. Bon, il faudrait sortir les bougies pour voir les couleurs. Alors, je touche la vis. Spire 1. Spire 2. Spire 3. Et la vis. Plus j'attends, plus ça s'approche de 22,5. Ok, bon, je vais pas prendre le risque de rester longtemps, faut que je vois la couleur des bougies. Et c'est chaud, ça a l'air chaud. Ouais, c'est chaud. Okay. Impeccable, c'est bien ça. Et alors, ça fume et le voyant il n'est pas rouge, la bougie rougit tout doucement et le voyant il est rouge, c'est plutôt synchro, le voyant est plus rouge que la bougie, donc c'est pas dégueulasse. Je peux le temps de bien voir la tension de service. La bougie a fumé et rougi. Ok, j'arrête. Il ne faut pas oublier qu'il y a le précédent préchauffage qui a déjà préchauffé la bougie. Ok, je vais filmer du côté du témoin de préchauffage. Je vais vous dire quand est-ce que la bougie rougit.
Et là, on est bon. La bougie fume. Ah, c'était l'humidité qui s'est échappée de la bougie quand elle chauffe. On a 22,6 volts, là c'est bien. Une teinte rouge. Ouais, un peu plus rouge. Ouais, j'arrête. C'est plutôt raccord, hein, de mesurer ça après. Excellent. Je vais le refaire vite fait. Ouais. Ah, ok, raté. Bon bah c'est pas mal, ça marche plutôt bien. Si je repréchauffe un tout petit coup là, qu'est-ce que ça dit sur les tensions? Vingt-deux cinq, 22,7, 22,6, 22,5, on est pas mal. Ça reste à 22,5. Là c'est rouge. Ouais, il y a un temps à mesurer, il faut pas trop faire. Impeccable. Et ben merci Ludo, ça c'est de la trouvaille. Ça c'est de la trouvaille. Chapeau Ludo. Chapeau bas. Vite fait à quoi ça ressemble. Avec le cache. Donc là, on a vraiment un peu plus de, encore un peu plus d'ampères en plus. Il y a moins de tension, mais il y a plus d'ampères. On est vraiment à 20 ou 25, c'est bizarre. Là, faut arrêter. Et on va remonter tout ça. Salut!